Salut les petits loups! Bon bah aujourd'hui je vous propose le double cheese bacon façon Bibi. Classique, vous verrez bien, hein? Il est sympa mais classique. Parce qu'on m'a réclamé du bacon. Un Canadien m'a réclamé du bacon alors j'en mets. Pour lui faire plaisir. Il saura se reconnaître. Allez, bise les petits loups! Bah non, pas bise d'ailleurs. Là j'étale un petit peu de mayo. Je mets mon petit steak avec une tranche de cheddar. Voilà, steak cheddar. Là, je vais rajouter mon petit bacon. Comme ceci. Une autre tranche de steak cheddar. Alors, c'est un cheddar affiné. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petits pickles de carottes. Non, de radis aujourd'hui, tiens. Aujourd'hui, c'est radis. Voilà. Les petits pickles qu'on m'a serrés toute la semaine. Je les ai fait le week-end dernier. Voici, voilà. On n'hésite pas à en mettre, hein, des pickles. Ça apporte un peu de fraîcheur. De la mâche, comme ceci. Un peu de pomme. Comme cela. Ah si, c'est ça que j'ai zappé. Je vais vous faire un petit une petite déco sympa. J'arrive. Hein. Tac, 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 tac. Ah. J'arrive tout de suite. Titi, je suis là. Le rajoute de la petite mayo sur mon chapeau, comme ceci, voilà. Deux, trois brins de mâche, histoire de faire une petite déco sympa au-dessus. Bon, c'est un petit peu long, excusez-moi. Un petit le. Ah si, j'oubliais, mes petits oignons aussi. Voilà. Donc, pas oignon au-dessus. Mâche. Voici, voilà. Le petit chapeau qui va bien. Et puis un petit brin de mâche par-dessus, comme ça. Ça nous fait ceci. Voilà. Je vous montre. Mince, pardon. Excusez-moi. Hop, le petit burger du dimanche. Allez, bonne semaine à tous. Bisous. Ciao.